Donc pour conclure sur les sols, en agriculture urbaine, ces écosystèmes sont hétérogènes, dynamiques et complexes. C'est vraiment crucial de les préserver, d'améliorer leur fertilité pour profiter de ces nombreux services écosystémiques qui sont cruciaux pour la résilience des villes. Par exemple, des sols dont la porosité est entretenue vont favoriser le stockage de l'eau, la biodiversité. Voilà, c'est pourquoi des sols de bonne qualité agro-environnementale doivent être préservés pour l'agriculture biologique, alors que voilà, malheureusement des sols qui sont déjà pollués, c'est peut-être cela qu'on pourra, même après des pollutions, on les utilisera plutôt pour l'implantation d'un parking ou pour des habitations. Voilà, puisque l'idée c'est de vraiment aussi éviter l'exposition humaine.